Donc, Shalom Ouvracha, le Rav Shimshon d'Ostropoli, il nous enseigne qu'il existe un malach qui est chargé de nous faire oublier donc des choses. Et le nom de ce malach est Riv. Riv signifie littéralement dispute, controverse, comme dans le mot Meriva. Et donc, chaque fois que nous rencontrons ce malach nous fait oublier les choses que nous savions. Ça, c'est important parce que nous sommes actuellement dans une période où la Torah nous demande constamment de nous rappeler, de nous souvenir. C'est la période entre Purim et Pessah. C'est pour ça qu'il y a par exemple la parashah Zachor qui nous demande de ne pas oublier, qui nous demande de nous rappeler de ce que Amalek nous a fait. Nous avons la parashah Para qui nous rappelle le rituel de la vache rousse, afin que nous puissions, à l'approche de Pessah, nous rappeler que nous devons être dans un état de tahora, dans un état de pureté, pour célébrer la fête Pessah. On a la parasha Fahodesh qui nous rappelle que la fête de Pessah est en approche, qu'il faut se préparer, etc., etc., puisqu'on va rentrer dans un nouveau cycle de fête. Donc, dans la Torah, le fait de ne pas oublier est quelque chose de très important. Donc, on peut se poser la question suivante. Si ne pas oublier quelque chose de très important, pourquoi est-ce qu'à notre époque, les gens oublient facilement beaucoup d'informations, beaucoup de choses? Eh bien, en réalité, c'est ce qu'on avait dit précédemment, à savoir qu'il existe un malach dont le nom est Riv, qui signifie dispute, qui est chargé donc de nous faire oublier les choses que nous savons. Donc, ça signifie en réalité que chaque fois que quelqu'un initie une dispute qui n'est pas les Shem Shamaïm, chaque fois que quelqu'un initie une controverse contre quelqu'un d'autre, c'est aussi bien dans les couples qu'avec un ami, etc., etc., eh bien, vous rencontrez ce malach. Ce malach se présente et il va se charger de vous faire oublier des informations importantes. D'ailleurs, la politique et une activité qui est essentiellement basée sur le fait de délégitimer quelqu'un, d'initier des controverses, des disputes, etc. Et donc, ce n'est pas étonnant que les politiciens n'arrivent généralement pas à se rappeler des promesses qu'ils ont faites. Ce n'est pas que c'est de la mauvaise foi, mais c'est parce que, étant donné qu'ils initient constamment des controverses, des disputes, des campagnes de délégitimation, qui ne sont pas les Shem Shamaïm dans le but d'être élus, ce malach qui s'appelle Riv se charge de le faire oublier leurs promesses. Ils oublient réellement ce qu'ils ont dit. Exactement comme un menteur. C'est pour ça que le Talmud dit que le menteur doit avoir une bonne mémoire. Puisque le menteur qui va initier une campagne de calomnie contre quelqu'un, etc., etc., eh bien, automatiquement, le malach Riv apparaît à ses côtés et va lui faire oublier donc des détails de son mensonge. Ce qui fait que quand il va rapporter ce mensonge une prochaine fois, les détails, vous allez remarquer, vont changer. Donc tout ça nous montre la futilité d'initier des disputes et des controverses inutiles. Parce que chaque fois que vous allez le faire, vous allez donc causer la venue de Malach Riv, qui va se charger donc de vous faire oublier. Voilà pourquoi les trop de mémoire, les oublis, sont si fréquents dans notre génération. Hazak ou Farouk.